Caroline Rupert nous transporte dans son univers. Il est flamboyant, gorgé de tonalités chaudes, le soleil, l'horizon. Une vision résolument positive pour cette femme qui revient de loin et qui a commencé à peindre à un moment crucial de sa vie. L'élément déclencheur a été une période où j'avais la santé qui flanchait un peu. Et dans un centre de rééducation, j'ai fait la connaissance d'une amie qui m'a incité à la peinture. Je l'en remercie d'ailleurs, Rachel. Renaissance, justement, pour marquer le fait que j'ai réappris à marcher et en même temps, j'ai commencé à peindre. Donc, c'est une espèce de renaissance, c'est une découverte de soi différente. Voir en soi des choses insoupçonnées, des capacités qu'on n'imaginait même pas. Une artiste qui a plus d'une corde à son arc. Caroline a plus de 20 ans de carrière dans la chanson. Ses toiles reflètent également sa passion pour la musique. Peindre ou chanter, ce n'est plus un dilemme, car pour elle, ces deux univers sont tout simplement complémentaires. Au niveau de la musique, il y a des sons, des mélodies que l'on peut retrouver aussi sur une toile. Parce que lorsqu'on pose son pinceau sur une toile, c'est comme si on dessinait des notes de musique. Il y a des courbes, il y a une sensualité. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que les deux se ressemblent. Parce qu'on y retrouve des couleurs, des notes magiques qui peuvent aussi embaumer le cœur. Renaissance, une exposition pour découvrir une autre facette de Caroline Rupert. Entre nature, exaltation de la femme et amour de la musique.